Coucou. Je crois que c'est coucou. On est quel jour? On est mardi. On est mardi. Il est 1h du matin. Donc on est mercredi, mais bon, c'est le vlog de mardi. On a tourné notre vidéo et Camille, elle était hyper longue. Du coup, bah voilà. Moi, ça fait très longtemps que j'avais fini de base. Donc, bah du coup, j'ai profité, j'ai dépendu, plier mon linge, je vous ai filmé un petit peu, j'étais chercher mes serviettes dans le sèche-linge, je les ai pliées, j'ai remis des serviettes dans le sèche-linge, j'ai débarrassé des sacs, enfin bon, j'ai profité pour ranger un petit peu. Il est plus l'heure de sortir mon petit cœur. Et là je vais mettre mon pyjama et aller me coucher parce que voilà, il est l'heure. Du coup pour la journée, pardon. Pour la journée. Bah écoutez, on a déjeuné, on a regardé les 50. J'ai débarrassé les lits. Ah, j'ai pris ma douche. Qu'est-ce que j'ai fait après? Je me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai débarrassé les lits. J'ai débarrassé un petit peu tout ça. On a mangé à midi. Et ensuite. Je sais même plus ce que j'ai fait. C'est incroyable ça quand même. C'est incroyable. Quoi? Bah, je me mets en pyjama et je suis en vlog. Bon, Matt était venu me rendre mes bulles qu'il m'avait pris et qu'il avait mis dans sa poche. Voilà. Pourquoi il est descendu pour me rendre mes bulles? Bref, du coup, bah, vous allez attendre quelques bulles si on reste. Du coup, j'étais en train de dire quoi? J'ai rangé les lits. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me rappelle plus. Hein. J'ai débarrassé un peu ma salle à manger. Après, on a réfléchi à si on changeait encore des choses dans la maison. Donc, pourquoi changer des choses? Alors, je vous explique. Camille dort au deuxième. Ok, ça vous le savez. Mais en fait, si vous voulez, Camille, donc c'est le grenier aménagé. Donc voilà, il y a eu les travaux. Donc ça, normalement, c'est une grande chambre. Je vous ai déjà dit, nous, on a séparé en deux. Donc ça nous fait deux belles chambres. Donc il y a Mathieu d'un côté, Camille de l'autre. Mais en fait, vu que eux, pour eux, c'est tout le grenier qui est aménagé, c'est qu'une seule grande chambre, ils ont mis qu'un seul radiateur pour toute la surface de la maison, en fait. Donc, même moi, j'ai déjà dormi. Il y a très très longtemps, j'ai été dans le grenier. Et pour chauffer tout le grenier avec un radiateur, déjà, c'est chaud. Alors l'été, vous avez trop chaud et l'hiver, vous avez trop froid. Bref, mais nous, comme on a séparé, donc, bah, il y a le mur, donc voilà. Matt, du coup, c'est lui qui a le côté avec le radiateur. Donc lui, dans sa chambre, voilà. Quand le radiateur se déclenche, parce que je vous explique pas pour qu'il se déclenche, c'est pareil, c'est la galère. Parce qu'en fait, je vous dis par exemple une connerie, mais si on règle le thermostat à 22 en bas, c'est un exemple. Donc dès qu'il fait moins de 22, ça se déclenche en bas. Mais le problème, c'est que comme les pièces du bas, ils vont vite se réchauffer, bah, les radiateurs du haut, ils n'ont pas le temps de se déclencher en fait. Donc il y a des fois, c'est galère, je suis obligée de, genre, de mettre plus fort en bas pour pouvoir chauffer le haut. C'est vraiment mal foutu. Mais bref, c'est comme ça. Non, tu sors pas cette heure-ci, ma grosse. Il y a 1h au matin, puis. Tu peux plus sortir, là, c'est tout. Demain. Demain, mon amour. Et t'as mis du côté, bah, sa chambre. Elle n'a pas de radiateur. Alors, on lui avait mis un radiateur électrique. Mais il est vraiment ancien. Et du coup, il fait très très froid dans sa chambre, en fait. Donc. Et son chauffage, en fait, ben, comme c'est un vieux chauffage électrique, il sent de plus en plus le cramer. Enfin, voilà, ça a commencé à être dangereux, on va dire.
Donc on avait la solution de soit racheter un bon radiateur électrique. Donc on avait regardé pour avoir des bons radiateurs électriques 100-200 euros. Hein. Voilà, c'est toujours des frais, c'est chiant. Soit du coup on avait la solution de changer. Donc changer, genre je retirais ma pièce YouTube, on retirait le meuble, les portes. Et du coup, bah, vous avez vu, elle a sa belle chambre. Et en fait, on aurait fait une grande chambre, vu qu'on aurait enlevé la séparation et notre pièce. Et on aurait mis les deux filles. Donc Camille, bon, ça ne la dérangeait pas. Mais elle non plus, hein, dormir avec sa soeur, ça ne la dérangeait pas. Mais au moins, je veux dire, elle était au premier, pas besoin de racheter de radiateur. Voilà. Au premier, il fait bon. Nous, quand on dort au premier, franchement, tout l'hiver, on n'allumait pas du tout le chauffage. Parce que dans la chambre, il faisait bon. Mais en fait, quand on a bien réfléchi, déjà vu tous les meubles que Camille a dans sa chambre, plus tous les jouets que Maëlle et tout a, on n'aurait pas réussi à tout placer, je pense, dans la même chambre. Et on pense qu'elles auraient fini par se disputer parce que bah, Maëlle regarde ses programmes télé, Camille regarde ses programmes télé, elles n'ont pas du tout le même âge, donc je pense que ça aurait été compliqué et il y aurait eu des disputes. Et donc... bien réfléchi, j'ai dit à Stoff, bon, on va aller faire un tour à Casto, puis on va aller voir pour un radiateur. Donc on lui a acheté un nouveau radiateur. Donc on ne savait pas quoi prendre, on hésitait entre radiateur électrique, bon voilà, comme un peu dans le même genre qu'elle avait, ou radiateur à bain d'huile. Qu'est-ce qu'il y a? Ou radiateur, t'es malade, tu peux pas aller à la danse demain. Je suis pas malade. T'es sûre? Tu peux danser? Oui. T'es certaine? Il faut te reposer parce qu'il est tard. Je sais. Je veux bien, on a fait la vidéo et tout, mais... Laisse là. C'est là, non. On peut pas. Mmh. T'es pénible, hein. T'es là en ce moment, à chaque fois que Kimi, elle passe à côté d'elle ou au-dessus d'elle, elle veut la manger. Tout le temps. En ce moment, elle essaye de la choper tout le temps. Elle en a que après Kimi. Ça peut être les autres choses, elle fait rien. Mais toujours après Kimi. Kimi, en fait, elle est trop collée à moi en ce moment. Et du coup, ça ne plaît pas, c'était long. Mais là, elle est juste passée à mes pieds. Hein. Bref. Et ouais, du coup, on avait le choix entre bain d'huile ou radiateur électrique, un peu comme elle avait déjà avant. Quoi? 2 minutes, Mel, s'il te plaît. D'accord? Et tu regardes dans le tiroir du bord. Et après, je voudrais que tu t'installes et que tu dors parce que après, j'éteins la couette chauffante. Elle dort que avec ma couette chauffante, mais je lui laisse genre une demi-heure, une heure. Et après, moi, je la débranche et genre, je la prise parce qu'on ne sait jamais. Mais elle dort quand même avec le, comme je vous ai dit, avec la couette parce qu'elle est douce et tout. Et elle tient chaud. Il n'y a quasiment plus de bulles. Hein. Et en fait, j'ai demandé à Christophe, du coup, c'était quoi le mieux et tout. Bah, il dit, je ne suis pas pro non plus dans les radiateurs. Donc le radiateur électrique va peut-être plus consommer que le radiateur à bain d'huile. Et encore, c'est pas sûr. Mais en fait, le radiateur à bain d'huile va genre peut-être moins consommer parce qu'il va tenir chaud plus longtemps, vu que c'est à bain d'huile. Mais le problème, c'est ce que Christophe disait. Le temps, en fait, il va vite quand même chauffer. Mais le temps qu'il réchauffe toute la pièce, c'est très très long. Genre si là, elle le mettait que ce soir en route, le temps de réchauffer toute la pièce aurait été genre limite que demain matin. Et du coup, ah ouais, c'est plus long en fait à chauffer toute la pièce. Tandis que là, celui-là, on a pris, du coup, on est parti. Ben, voilà, comme vous pouvez vous douter, sur un électrique comme elle avait, il va plus vite à chauffer. Donc là, elle l'a réglé à 24 dans sa chambre. Comme ça, si ça descend en dessous de 24, voilà, il se déclenche. Là, tout à l'heure, elle avait 22 dans sa chambre, je crois. Quand elle les a remontées, elle a même dit, bah là, aujourd'hui, comme elle avait ouvert son store, parce qu'en fait, son store, c'est qu'elle laissait son store de Velux fermé. Donc, bah, le soleil, il ne peut pas taper dans la chambre, donc ça ne peut pas réchauffer non plus la pièce. Tandis que là, comme elle l'a ouvert, du coup, il faisait meilleur dans sa chambre aujourd'hui. Il faisait 22. C'est déjà mieux. Et elle a réglé le radiateur à 24. Comme ça, au moins, au cas où, il se déclenche. Là, je ne sais pas du tout, du coup, s'il fait bon dans sa chambre. Je vais lui demander. Elle vient de monter. Attendez, je vais lui demander. Alors, dans ta chambre. Il fait bon. Alex, du coup, il me dit, moi aussi, je peux allumer mon radiateur. Je dis, mais toi, tu peux pas l'allumer. C'est les radiateurs de la maison, donc les radiateurs
à gaz. Et je dis, en fait, on a mis le thermostat, nous, en bas à 22, je crois. Donc, si ça descend en dessous de 22, il va se déclencher. Et du coup, ça chauffera peut-être un peu dans la chambre d'Alexis. Mais bon, dans la chambre d'Alexis, en principe, il fait pas froid non plus. Elle m'a dit oui. J'ai dit, il fait bon dans ta chambre? Elle m'a dit oui. Elle va mieux dormir parce que la pauvre, elle dormait avec trois couettes. Elle se levait le matin, elle avait trop mal à la gorge. Elle était gelée. Alors, vous imaginez que trois couettes plus un gros pyjama comme moi, genre pilou. Donc, bon. J'ai pas envie non plus qu'elle tombe malade, donc voilà. Moi, j'ai pas encore. On n'a pas rallumé les chauffages parce que, comme là, il faisait 24-5 dans la maison, donc il y en a assez. C'est plus le soir qui fait un peu plus frais. Enfin, quand je m'installe, je pense que c'est peut-être aussi la fatigue. Et le matin, ouais, le matin, en fait, j'ouvre plus la fenêtre de salle de bain pour les chipettes. Elles le savent, hein, j'ouvre plus avant fin de matinée, début d'après-midi. Parce qu'au matin, voilà, il caille quand même dehors. En plus, il avait gelé et tout. Donc, non. Et je laisse ouvert 1 heure ou deux. Et après, je referme. Je les fais rentrer, je referme. Parce qu'il fait frais quand même dehors. On va pas abuser. Et puis moi qui suis très, très frileuse. Voilà. Je vais vous faire voir vite fait pas le radiateur parce qu'il est dans la chambre à Camille. Je vais vous faire voir juste le carton. Comme ça, je jette mes bulles. Alors... Ils ont dit qu'elle ressemblait, le radiateur ressemble à une télé. Voilà, on a pris comme ça. Et là, c'est l'ancien. Ça, c'est l'ancien, du coup, que. Acheter. Ah, acheter. Christophe, il va le mettre dans sa baraque, mais. Il fonctionne encore, hein, mais comme je vous l'ai dit, sans le cramer, et puis, bah, il est tellement vieux que. Voilà. Et celui-là, vous voyez, bon, on l'a pris en noir. On a payé 79 euros. En blanc, il était plus cher. Je trouve qu'il est plus beau en noir, mais en blanc, il était plus cher. Je crois qu'en blanc, il était à 109 euros. Ouais, je crois. Et en noir, il est à 79. Castorama. Donc, du coup, on a pris le noir. Franchement, de base, de toute façon, je préférais le noir. Je trouve qu'il était beaucoup plus beau. Et il était moins cher en plus. Donc, 79 euros. Ben, voilà. Au moins. Si ma fille, elle peut être bien. Et puis bon, même si c'est encore de l'argent, mais c'est pas une connerie, quoi. C'est utile pour ma fille. J'ai pas le choix. Voilà. Du coup, ouais, on est parti de la maison, il était 16h. On est rentré, il était 17h. On s'est bu un petit cappuccino. Camille, elle a été installée son. Enfin, Christophe a regardé d'abord le radiateur, il lui a expliqué tout ça. Elle a été installée dans sa chambre. Elle a descendu l'ancien. On a bu un capuch. Et ensuite, ensuite j'ai donné à manger aux filles. Je vous ai filmé quand je préparais leurs assiettes, tout ça. Ça me gratte. Et Chouchou a préparé les cannelloni maison. Parce que nous, une fois, on les a fait avec Camille. Et en fait, on avait voulu précuire les pâtes, enfin, on avait voulu les refaire réchauffer ouais, comme nous on fait avec les pâtes à lasagne. Je sais, il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais nous on fait. Mais en fait, c'était pas bon du tout. Et là, Christophe a dit, ben, je vais faire à ma façon, je vais pas les faire cuire déjà, hein, parce que de base, normalement, ça se fait pas forcément cuire. Et puis, ben, il a fait sa sauce, voilà, il a avec oignons, hachés de bœuf, ail en poudre, sauce tomate, béchamel, bref. Il y avait une mixture, il a même mis un œuf dans la chie, tout ça, bref. C'était trop bon. Je me suis régalée. Et du gruyère râpé, tout ça. Je me suis régalée. Je me suis servie première parce que personne n'osait se servir. Du coup, au début, j'avais pris que deux cannelloni parce qu'après, ça cale. Et puis moi, je ne suis pas une grosse mangeuse. Et j'en ai repris une troisième pour vous dire. Camille en a pris trois. Et on a mangé que deux et demi. J'ai fini mes trois. J'ai mangé plus que Camille. Alors que Camille, elle mange beaucoup plus que moi. Chouchou, lui, en a pris, je crois, 4 et après il s'est resservi, il me semble. Il en a pris, ouais, il a dû en manger 5-6. Alexis, Christophe, il lui en avait mis 3 ou 4.
Et bon, il y a bien mangé. Il y en a bien mangé, ouais, trois, deux, trois quand même. Et mon frère, il en avait pris. Mon frère, il en avait pris trois et il s'est resservi aussi. Il en a remangé après. Mais elle a mangé de la pizza parce qu'elle n'a pas voulu goûter. Et Mathieu, il voulait pas goûter non plus, alors que je suis sûre qu'il aurait peut-être aimé. Bon, après, Mathieu, il est compliqué aussi. Donc Mathieu, lui, ben, il s'est fait. Qu'est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce qu'il s'est fait? Oh, je sais plus. Ah, il s'est fait un tacos. J'étais en train de chercher. Il s'est fait un tacos frites nuggets. Il s'est fait un tacos. Et puis, bah, du coup, on a commencé à manger tout ça. Et quand j'avais quasiment fini de manger, ma mère faisait un live. Ma soeur qui présente le live, mais voilà, c'est ma mère qui fait un live. Sur Facebook. Avec des jouets enfants, quoi, des jouets filles, des jouets garçons, etc. Et du coup, j'ai regardé le live parce que moi, j'aime beaucoup regarder les lives. Donc, voilà. Mais là, à un moment donné, je lui ai fait voir que ma mère, elle vendait des sirènes. Elle est pas là, sa Barbie. Bon, mais là, elle a la vraie Barbie sirène qui coûte très très cher. Et là, c'est les sirènes. Bon, c'est pas la vraie Barbie, mais c'était des sirènes. Et du coup, ma mère, elle les vendait 3 euros. Et Mel, quand elle a vu, elle a dit: oh, elles sont belles, hein, les trois couleurs, hein, parce qu'elle avait bleu, violet et rose. Elle dit, mais moi, j'aime trop la rose. J'en ai jamais eu des roses. J'ai dit, tu veux que j'en demande une à mamie? Du coup, j'ai demandé une poupée sirène à 3 euros. Donc voilà, ça fera plaisir à Mel. Et ensuite, j'ai pris un autre truc, mais je ne vous le montrerai pas parce que c'est un petit truc pour Mel, son calendrier de l'Avent. Voilà. De toute façon, vous découvrirez les calendriers de l'Avent, vu que j'ai commencé. Donc, pour le moment, comme je vous ai dit, je crois que j'en ai 6 pour Camille, si je dis pas de bêtises. Là, du coup, ça m'en fera 4, je crois. Attendez, 1, 2. Ouais, ça m'en fera 4, je crois. 4 ou 5 pour Mel. Alex, j'en ai 1. Et Mathieu, j'en ai 1. Chouchou, j'en ai pas. Et moi, bah, je m'occupe pas de mon calendrier. C'est Camille qui va me le faire comme elle a fait, comme on a fait l'année dernière. C'est Camille qui s'occupera. Je lui donnerai l'argent, bien sûr, parce que c'est pas elle qui va dépenser son argent. Et elle ira faire un tour Action, quoi. Et elle ira m'acheter des petits trucs. Alors, j'ai acheté des petites pochettes. Je vous les ai pas montrées, mais j'ai acheté des petites pochettes, genre. Ouais, ça doit être la taille, là. Donc, franchement, ça va. Genre, vous voyez, pour ça, genre, ça rentre. Hein. Voilà. Ça doit être un peu plus haut. Donc c'est pas mal. En fait, j'ai acheté 7 petites pochettes comme ça. Et en fait, sur toutes les 7 différentes. Et du coup, on mettra les prénoms dessus. Et en fait, chaque jour, on mettra le cadeau du jour dedans. Comme ça évitera bon, ça évitera rien du tout, mais ça fera au mieux, je trouve, d'avoir sa petite pochette. De base, je voulais les accrocher au mur, mais ça va être chiant, je crois. Ouais, donc je pense que tous les jours, en fait, je prendrai la petite pochette, on mettra les cadeaux dedans, on les posera sur la table, et voilà. Donc il y a moi, Christophe, Mathieu, Camille, Alexis, Méliana, et après j'en ai pris une en plus pour mes bébés. De base, je voulais en prendre du coup trois en plus parce que je voulais faire les mémères, les fifis, enfin, les mémères, les chipettes et princesses. Et en fait, il n'y avait pas assez de différence. Du coup, j'ai dit à Camille, t'en prends qu'une seule. Princesse, je vais essayer de trouver des trucs, mais franchement, pour les lapins, un peu des petites friandises ou quoi tous les jours, je sais même pas si je peux trouver. Vous savez, des petits trucs. Parce que je sais même pas si je peux trouver. Donc, je vais voir. Ça serait bien que je lui fasse un petit truc, même si c'est une petite friandise. On verra. Si je trouve pas, bon, écoutez, c'est pas grave. Après, elle est pas malheureuse. Hein. Voilà. Elle a ce qu'il faut. Là, je vais racheter des bonbons, enfin, des barres de céréales. Donc, j'aimerais bien trouver genre des toutes petites friandises ou quoi que je pourrais trouver, mettre en plus pour elle aussi. Hein, parce que voilà. Bon, après, le poisson, je le fais pas, hein, forcément, parce que, bah, à part lui mettre des petits flocons, je vais pas mettre ça dans le sac. Et après, pour les filles, ça va être un peu plus compliqué. Il y aura un cadeau, bien sûr, pour les quatre chipettes. Parce que, comme l'année dernière, je peux pas faire un chacun, parce que de toute façon, ça sert à rien. Genre, une boîte de bonbons, elles font plusieurs jours toutes les quatre. Les jouets, il n'y a que Kenmo qui joue, clairement. Le lait, genre si j'achète le lait spécial chaud,
Il n'y a que Kenma et un peu Kimi qui en boivent, et encore, pas tout le temps. J'en ai jeté, donc bon, ça m'embête. Voilà, c'est toujours les mêmes trucs. Les pâtés, j'en prends pas. Bon, après, ça peut être des sachets fraîcheur, quoi, mais voilà. Donc, ça sera un cadeau pour les quatre. Et pour les mémères, je vais voir. Je vais voir parce que c'est pareil. En fait, je pense que je vais acheter des gros paquets de friandises et je leur ferai des petits sachets. Un peu. En fait, ils auront une friandise tous les jours que je mettrai dans le sac, je pense. Je pense que ça, on fera comme ça. Ça va, ma belle? Tu vas pas embêter Stella parce qu'elle va encore te manger. T'es belle, mon nounou. T'es belle. Oui, t'es belle. Bon, je vais arrêter de vous parler, ça fait 20 minutes. J'ai pas fait un gros vlog, du coup, je parle comme d'habitude. J'allais dire autre chose ou pas? De base, je voulais parler d'autre chose, mais je ne vais pas en parler. Je pense. Voilà. Vous allez peut-être comprendre, mais je ne vais pas en parler. Voilà. Ça sert à rien. Donc, je vous fais des gros bisous d'amour. Nous, demain, on va à la danse. Enfin, Méliana, elle va à la danse, pas nous. Et puis, bah, du coup, j'ai même pas rempli son dossier d'inscription. Donc, je vais faire ça demain avant de partir. Remplir son dossier d'inscription. Lundi, j'étais trop mal. Grosse migraine et tout. Et aujourd'hui, franchement, c'est ce que j'ai dit à Christophe. J'ai pas vu la journée passer. Donc, j'ai même pas eu le temps d'appeler le véto. Bon, Daisy, elle va un peu mieux, mais elle boite encore, donc il faut vraiment que j'appelle le véto. Et elle était fort constipée et tout. Et au final, en fait, j'ai changé son alimentation. Je pense que j'ai compris. Et en fait, bah, tout à l'heure, c'est Christophe et Camille qui l'ont sorti parce que j'étais occupée. Ils ont sorti les trois filles. Et ils m'ont dit, elle n'a pas eu de mal du tout, quoi. Et elle s'est bien, voilà. Pas en diarrhée, mais elle s'est bien vidée et tout. Donc voilà, je pense que c'était l'alimentation qui ne lui correspondait pas. Je lui donnais un truc ou quoi qui ne lui allait pas en fait. Donc j'ai changé et ça va beaucoup mieux déjà. Donc je suis contente. Et puis voilà. Donc il faut quand même que je joue pour sa patte parce que même si c'est l'arthrose, peut-être qu'elle a mal quand même et que voilà. Hein. Elle a de plus en plus de mal comme je vous ai dit. Donc il faut vraiment que je rappelle. Demain, il faut que j'appelle. Donc il faut que je fasse ça, le dossier d'inscription à mail. J'ai un colis à préparer, il faut que je le fasse demain aussi parce que bah, ça fait 2 jours que la personne elle a acheté un t-shirt. Demain, il faudrait que je fasse le reste des photos que j'ai mises sur Vinted ou que je les récupère sur mon téléphone si je les ai encore et que je m'étoie donner. Comme ça, j'efface tout de mon Vinted. Voilà. Les vêtements, je ne me prends pas la tête, je donne tout parce que ça me saoule. Et puis voilà, ouais, écoutez. Et est-ce que j'ai autre chose à faire? Ma tante, elle m'avait demandé si j'allais passer mercredi parce que c'est son jour de repos. Je lui ai dit, bah écoute, mais là maintenant, elle a commencé la danse le mercredi, donc j'essaierai de passer après la danse. Tout à l'heure, ma mère m'a dit, bah au pire, passe demain, mais c'est pareil, j'ai la danse, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de passer ni chez ma mère ni chez ma tante. On verra. Parce que ma mère, quoi qu'elle arrive, en plus, après à 16h05, elle prend le bus pour aller travailler. Donc, ouais, pour ma mère, c'est pas possible les jours. Mais elle a fini la danse à 16h10. Ouais, donc chez ma mère, je le dis au pire des cas. Donc, on verra si je vais chez ma tante, si j'ai le temps, parce que j'ai trop de choses à faire. Voilà, on verra demain. Bref, je vous fais des gros bisous, j'arrête de vous parler. Je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée. Et puis, vous allez voir ce vlog, je sais plus, je sais plus, je sais plus, je sais plus. Aujourd'hui, je vous ai fait le vlog de quel jour? Je suis perdue. De vendredi 13, je crois, ouais. Donc, demain, ça sera le vlog de samedi. Jeudi, ça sera dimanche et lundi. Vendredi, ça sera vendredi. Et bah, du coup, je vous souhaite, normalement, ça sera vendredi soir, si je dis pas de bêtises. Donc, dans ces cas-là, je vous souhaite un bon week-end. Reposez-vous bien. S'il vous plaît, soyez tous gentils, aimants. Si vous n'aimez pas une personne, ben voilà, ne la suivez pas ou ne commentez pas, etc. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à demain tout le monde pour le prochain vlog.